avons la nous avons l'article 153 de notre constitution, stipulant qu'à la fin du mandat, Monsieur le Président a suggéré d'octroyer une organisation électorale transparente. Alors, le monsieur va initier un projet de constitution lui donnant la possibilité de revenir au pouvoir sans limitation de mandat. Nous ne voulons même pas aller en référendum parce que nous savons partir au référendum sera nous imposer ce genre de projet de constitution. Voilà, c'est ça. Et au fond, nous pouvons s'attendre à François Hollande, mais comme aujourd'hui il nous a déçus, on se rend compte que on est revenu à nous-mêmes. Parce que François Hollande, quand il est passé au pouvoir, il nous a promis, il a promis à l'Afrique que tous les dirigeants, les dictateurs, doivent être balayés. Mais juste après le procès, si on est venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que c'est par rapport à ses dires. Et aujourd'hui, il est contradictoire. On est vraiment dessus. On va partir. Monsieur Hollande est la première personnalité française. Monsieur Hollande est le président de la République française. Quand il se lève pas en tant que l'homme, il se lève en tant que la France. Quand il pousse un discours, il ne parle pas en tant que Monsieur Hollande, il parle en tant que la République française. Alors quand il manifeste son soutien pour un dictateur qui reste pouvoir pendant 35 ans, c'est un désarroi, c'est une déception. C'est une déception. Vous n'êtes pas en train d'aider l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique aille de l'avant. Alors s'il y a des présidents, le pays de Moscou, c'est comme la France qui soutient les dictateurs comme ça, c'est les premiers. Où est-ce que où irons-nous avec l'Afrique? Jusqu'où irons-nous? Il y en a beaucoup de générations sacrifiées. Pourquoi nous fuyons notre pays pour venir à la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils n'harmonisent pas les conditions. Et même à Vitina, il va en retirer les gens. S'il partait, on ne peut pas les faire. C'est l'essentiel des adversaires. Merci pour votre discours. Vous avez prêté vos oreilles, vous avez écouté vos discours.